Alors, qu'est-ce que le bonheur financier? Le bonheur n'est pas prioritairement financier, il est important de le rappeler, mais l'aspect financier permet d'accomplir ses projets. Dans quel sens? Lorsque l'on a les moyens financiers de développer une activité professionnelle ou même qui aurait un impact personnel, notamment pour les femmes, et je parle des femmes entrepreneurs, cela peut contribuer au bonheur. C'est en cela que nous parlons de bonheur financier. Alors le bonheur financier, c'est quand les finances représentent non pas un obstacle, mais un appui stratégique pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Alors, comment l'inclusion financière contribue au bonheur financier? Tout d'abord, il est important de rappeler que l'inclusion financière consiste à donner la possibilité aux individus et aux entreprises d'avoir accès à des moyens de financement et des services bancaires à moindre coût. C'est ce qui permet, et notamment aux femmes entrepreneurs, de financer leurs projets professionnels qui auront aussi un impact sur leur vie personnelle. La BIRD contribue à développer l'inclusion financière. Comment? Nous avons lancé différents produits financiers, offres financières, donc de manière intermédiaire, c'est-à-dire via les banques partenaires locales dans nos différents pays. Nous avons lancé le programme Women in Business. C'est un programme qui inclut un financement via les banques partenaires, qui est dédié aux femmes entrepreneurs qui gèrent des PME, avec une assistance technique qui est offerte aux banques partenaires pour mettre en place leurs produits, mais aussi aux femmes entrepreneurs qui bénéficient de cette ligne. Il est important de noter que la BIRD a une expérience de longue durée, depuis 2014 plus exactement, dans ce programme. Alors, comment la BIRD contribue à l'inclusion financière? La BIRD a lancé dans plus de 18 pays d'opération un programme nommé Women in Business, donc dédié aux femmes entrepreneurs qui gèrent les PME et qui comprend un package global, donc un financement via les banques partenaires et une assistance technique qui est dédiée aux banques partenaires pour développer leurs produits financiers dédiés à ces femmes, mais aussi une assistance technique pour les femmes qui bénéficieront de ce financement spécifique. Alors, la BIRD a signé dans ces 18 pays plus de 485 millions d'euros de financement dédiés à ces femmes entrepreneurs avec 30 institutions financières, ce qui a permis de financer près de 55 000 femmes. Au Maroc, nous avons lancé ce produit en 2018. Nous avons signé avec deux banques partenaires, BMCE Bank et BMCI, pour un montant total de 400 millions de dirhams. Alors, ce programme Women in Business a pour objectif d'accompagner les femmes chefs d'entreprise à travers des services non financiers, en complément des services financiers. Ces services-là permettent des mises en relation et le partage d'expériences à travers du mentoring, que ce soit des relations personne à personne ou des événements de networking de manière plus générale avec de l'expertise sur des thématiques particulières. Où nous invitons aussi des experts pour des formations sur l'entrepreneuriat ou comment développer son entreprise et réussir son projet. Nous accompagnons aussi les femmes chefs d'entreprise à travers des missions de conseil, dans des expertises transverses au cœur du métier de l'entreprise, que ce soit en marketing, en stratégie, en finance, en organisation, etc. Ou alors nous organisons des missions de business coaching pour aider l'entreprise dans trois axes stratégiques de son développement. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.